Merci à tous les participants et bienvenue. Donc, ce soir, nous allons traiter d'un sujet très, très sérieux et très important de pratique quotidienne. C'est la prise en charge des fausses couches à répétition. Donc, je remercie le docteur Anis Fadlaoui d'avoir accepté de faire la présentation. Donc, il va faire sous forme de cas clinique. Nous allons faire trois séries de cas cliniques. Je remercie les laboratoires aussi IPSA d'avoir sponsorisé ce webinaire et je demande à Amel de lancer la vidéo des laboratoires IPSA. It's a long, long way to reach the heart of someone and to say the right words at the right moment. It takes a lot of time, and trust me, you really don't have to be shy to tell her what you really think. Is it my help you need? Your back looks so heavy, please let me carry it for you. Whoa, you look so sad, I should stand next to you when times are bad. I could dry your tears away. It's a long, long way to reach the heart of someone and to say the right words at the right moment. You know it takes a lot of time, and you really don't have to be shy to tell her what you really think. You are the most wonderful, you are the most beautiful I have ever seen in my whole life. Simple friend, and let me stay by your side. It's a long, long way to reach the heart of someone and to say the right words. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire avec le docteur Mohamed Khrouf et Hanan Loubi. Et sans tarder, je donne la parole à Cyanis pour commencer la présentation, la première série. Merci, Dr Mahmoud. Je tenais à remercier l'équipe de Fertilia de m'avoir associé à ce webinaire. Donc, comme vous l'avez déjà dit, on va parler des avortements spontanés à répétition et notamment des recommandations de l'American Society of Reproductive Medicine, les recommandations de 2021, sur une série d'articles qui ont été publiés en mars, donc 2021, 4 ou 5 articles, à propos des différentes étiologies des avortements spontanés à répétition. Donc voilà, ça c'est les intitulés des différents articles que j'ai pu compulser, avec les différentes étiologies qui vont avec. C'est bon. Voilà. Alors en introduction, il semblerait que les avortements soient l'une des étiologies, l'une des pathologies les plus fréquemment rencontrées en médecine, et peut-être même la plus rencontrée en médecine. Il faut savoir que 12 à 15% de toutes les grossesses se terminent par un avortement et que c'est une incidence qui est étroitement liée à l'âge de la patiente, comme le montre ce graphique, où on voit une déclinaison, donc une chute du taux de grossesse avec l'âge et puis une augmentation du taux de fausse couche et d'avortement donc spontané également avec l'âge.
Voilà. Donc, les différentes études ont constaté que le risque de récidive après deux avortements était de 29% et qu'il est de 33% après trois avortements. Et donc, d'un autre côté, la possibilité de trouver une anomalie du bilan étiologique est de 41% après deux avortements, de 40% après trois avortements, et elle passe à 42% après quatre avortements et plus. Ce qui a amené les différents intervenants à décider, au bout d'une douzaine d'années de débats, hein, la société américaine de médecine de la reproduction a décidé de baisser la barre que tout le monde connaît à trois avortements, de trois avortements à deux avortements et plus. Donc, actuellement, il faut démarrer les investigations à partir donc, de deux accidents successifs. Donc, et il est à noter que chaque avortement, même si c'est le premier, mérite une attention particulière afin de décider si les investigations doivent être démarrées d'emblée ou pas. Il y a une petite distinction à faire, notamment les avortements spontanés, c'est tous les avortements qui ont lieu avant 20 semaines d'aménorrhée, et au-delà de 20 semaines, on parle plutôt d'accouchement prématuré, notamment à cause des étiologies qui sont un tantinet différentes. Et en pratique courante, le terme d'avortement spontané est réservé aux avortements qui surviennent avant 12 semaines d'aménorrhée. Donc, ça, c'est les recommandations du comité donc, responsable de l'étude des avortements spontanés à répétition de 2012-2013. Et il en ressort toute cette série d'étiologies cytogénétiques, le syndrome des anticorps antiphospholipides, les étiologies d'ordre anatomique, donc les anomalies utérines notamment, les troubles hormonaux et métaboliques. Accessoirement, vous avez les étiologies infectieuses, les étiologies masculines, psychologiques, allo-immunes et autres. Donc, on démarre déjà avec le premier cas. Donc, c'est une patiente de 31 ans qui a été adressée par son médecin de famille pour une exploration d'avortement spontané à répétition. Elle en a eu trois qui sont survenus entre 10 et 12 semaines. Elle a eu deux aspirations au curetage et une grossesse qui a été expulsée spontanément à domicile. Une analyse anatomopathologique des deux premiers produits de conception donc, n'a pas montré de signes d'orientation étiologique. Alors, vous avez réalisé une écho 2D comme ça, de débrouillage dans votre cabinet, et puis vous avez cette image. Alors, évidemment, vous pensez automatiquement à une bifidité utérine. Donc, et vous allez demander si vous êtes un tantinet de classique, vous allez demander une hystérographie qui va montrer peut-être cet aspect-là. Un aspect typique de bifidité cavitaire avec l'angle de raccordement qui est aigu et donc vous êtes quasi certain qu'il s'agit d'une cloison utérine. Mais en même temps, on peut avoir cet aspect-là avec un aspect un peu plus étalé de cavité avec un angle de raccordement qui est plutôt obtus. Si on fait un peu attention, on peut éventuellement voir quand le produit passe à travers les trompes qu'il dessine quand même une cavité utérine unique. Et on peut dire qu'il s'agit donc d'un utérus cloisonné malgré l'aspect qui n'est pas très, très typique. Mais quand même, ça jette un doute sur la valeur de l'hystérographie. Alors, vous demandez une hystéroscopie également. Donc, ça va montrer cet aspect-là. Mais on n'est pas bien avancé. Hein. On voit bien qu'il y a une bifidité, mais on ne peut toujours pas dire si c'est une cloison ou si c'est un utérus bicorne. Donc, d'autant que la prise en charge chirurgicale peut poser problème. Une écho 3D, on avance un peu plus là, donc, vous voyez une masse utérine unique avec deux hémicavités, on a quasi la certitude qu'il s'agit d'une cloison à ce moment-là. On peut demander une hystérosonographie qui va confirmer les résultats de l'écho 3D avec cette bifidité, mais qui est plutôt du type cloison. Et devant le doute, on peut également demander une IRM qui va confirmer donc, le diagnostic. Donc, les recommandations en termes de diagnostic du collège royal, c'est faire une écho 2D dans un premier temps et puis par la suite, en cas de doute, demander une écho 3D plus ou moins une hystéroscopie, une sono-hystéro et accessoirement la célioscopie. Le collège américain recommande plutôt le recours à l'hystérosonographie en écho 3D, même attitude vis-à-vis de l'écherée. Le collège donc, national des gynéco-obstétriciens de langue française est un tout petit peu plus souple, donc ils recommandent des choses en fonction de leur disponibilité. On peut aller de l'écho 2D jusqu'à l'IRM, mais tout en sachant que le gold standard reste quand même la célioscopie, le couple célio-hystéro, quand on veut réellement avoir un diagnostic clair, net et précis.
Donc ça, c'est la classification de Léchré. On voit bien qu'ils se sont énormément basés sur tout ce qui est sonohystérographie pour la classification. Donc ils classent de U0 pour un utérus normal jusqu'à U4. Donc U1, c'est les utérus qui sont dysmorphiques. Les U2, c'est les utérus cloisonnés. L'U3, c'est tout ce qui est les bifidités type utérus bicorne. Et puis les hémiutérus pour l'U4. Et ça, c'est la classification de l'ASRM qui nous rappelle un tout petit peu l'ancienne classification qui était utilisée auparavant. Donc, les recommandations thérapeutiques, l'ASRM et le Collège français recommandent la résection des cloisons en hystéroscopie. Le Collège royal et Léchré estiment que l'évidence n'est pas suffisante, qu'il n'y a pas suffisamment de données pour recommander la cure chirurgicale en hystéroscopie des cloisons et estiment que des travaux randomisés sont tout à fait nécessaires. Et d'ailleurs, il y a un travail qui a démarré en 2018, c'est le TRUST Trial, qui est encore en cours. On n'a pas encore les résultats de ce grand travail concernant l'intérêt de la cure des cloisons utérines en hystéroscopie et notamment dans les avortements spontanés à répétition. Donc la résection se fait par voie hystéroscopique, soit en bipolaire, en monopolaire ou alors en ciseaux froids et accessoirement donc, au laser pour ceux qui l'ont. Les ciseaux froids offrent la possibilité d'éviter la destruction de l'endomètre et le risque de synéchie. Mais faut-il encore avoir le matériel nécessaire. Concernant les métroplasties d'élargissement pour les utérus hypoplasiques, donc c'est la classe U1, toutes les sociétés savantes s'accordent à dire que pour le moment, il n'est pas recommandé d'effectuer de métroplasties d'élargissement. Hein. Donc le deuxième cas, vous avez vu le premier cas, on a parlé de tout ce qui est anomalie utérine, une malformation congénitale. Le deuxième cas, on a une patiente de 36 ans, quatrième geste primipare, mère d'une fille de 4 ans. Elle a eu deux avortements précoces spontanés survenus avant cette semaine. Elle a été vue aux urgences pour un avortement court avec un produit d'avortement dans le vagin. L'écho de vacuité met en évidence un myome de 3 cm qui semble de type 0. Vous avez cette image. Donc, vous allez demander automatiquement une hystéroscopie qui va confirmer le diagnostic. Évidemment, une hystéroscopie sera faite un tout petit peu à distance. Donc, elle va confirmer le diagnostic de myome endocavitaire. Et vous allez donc proposer à votre patiente une cure chirurgicale du myome, soit par hystéroscopie classique, donc lance diathermique qui va réséquer en différents copeaux le myome, ou un peu plus récemment, le morcellateur hystéroscopique, le shaver, qui offre la possibilité d'opérer sur un canal opérateur qui est plus réduit, donc avec la dilatation, il y a une moindre dilatation, un temps d'intervention qui est beaucoup plus rapide. Certes, il faut investir dans du nouveau matériel, mais a priori, il est rentabilisé assez rapidement grâce aux gains en termes de temps opératoire. Donc, c'est évidemment les myomes type 0, 1 et 2 qui nous intéressent en termes d'avortement spontané à répétition selon la classification de la FIGO. Donc, il faut savoir que 0,5 à 1,3% des avortements spontanés sont associés à des fibromes de ce type-là. Les mécanismes d'action sont une altération de la contractilité myométriale, des perturbations de l'expression des différentes cytokines endométriales, une perturbation de la vascularisation endométriale, et une inflammation endométriale chronique, notamment en contact pour les myomes qui sont en contact de l'endomètre. Et l'étirement endométrial est à l'origine d'une altération de l'expression donc, de certains gènes, notamment le OXA10. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, diagnostic, le gold standard, ça reste quand même l'hystéroscopie, mais l'hydrosono est intéressant pour les myomes intramuraux, et en cas d'utérus polymyomateux, une IRM peut être nécessaire pour une cartographie précise de ces myomes et pour asseoir sa stratégie thérapeutique. Alors, la prise en charge est hystéroscopique, donc elle améliore les taux de grossesse, mais les données quand même restent insuffisantes en ce qui concerne les avortements spontanés à répétition. Pour les myomes qui sont inférieurs à 2 cm, en général, en un temps opératoire, le problème est réglé. Pour ceux qui sont de plus de 2 cm, quelquefois, il faut prévoir quand même 2, voire même 3 temps opératoires.
Il y a un risque de cinéchie qui reste quand même important, ce qui peut indiquer de plus en plus actuellement le recours à des gels barrières type acide hyaluronique et de plus en plus recommandé une hystéroscopie de contrôle 4 à 6 semaines après la myomectomie pour traiter précocement les cinéchies qui se constituent à ce moment-là et qui sont encore lâches. Donc, ça permet d'éviter des cinéchies qui sont un tout petit peu plus fibreuses. Alors, paradoxalement, bizarrement, j'ai retrouvé même cette terminologie-là dans l'article de la SRM lui-même, l'échevée estime que c'est des données qui sont insuffisantes pour recommander l'hystéroscopie opératoire en cas d'avortement spontané à répétition, contre toute logique. Donc, elle ne recommande pas le traitement hystéroscopique de ces myomes en cas d'avortement spontané à répétition. Alors la problématique devient un peu plus importante en cas de myome intramuraux sans impact cavitaire et les différentes sociétés savantes estiment qu'il n'y a pas de bénéfice à les opérer, sauf lorsque le total de la taille des différents myomes dépasse les 10 cm. À ce moment-là, il y a une indication opératoire. Donc au-delà de l'hystéroscopie, on peut avoir recours à une laparotomie. Alors la laparotomie, tout le monde sait ses effets indésirables, notamment la reprise opératoire, la reprise post-opératoire qui est longue, la morbidité opératoire et post-opératoire, les adhérences qui peuvent être à l'origine d'une infertilité donc secondaire. La célioscopie, oui, c'est très intéressant dans la mesure où le temps opératoire peut être un tout petit peu, peut être plus ou moins plus rapide, que la morbidité post-opératoire est moindre, que la récupération post-opératoire également est plus rapide. Mais ça devient relativement difficile quand il s'agit de polymyomectomie. Et en termes de robotique, les différentes études sont en cours et l'évaluation en termes de prise en charge des myomes utérins n'est pas encore validée. Le troisième cas, toujours en pathologie utérine, donc Madame Z, 29 ans, est mariée depuis 2 ans, mariage non consanguin, le troisième geste nullipare. Elle consulte pour l'exploration d'avortement spontané à répétition. Elle a une hyperménorrhée depuis 2 ans environ. Un bilan immunologique et de thrombophilie est négatif. À l'échographie, vous avez cet aspect. Donc, évidemment, on pense à un polype. Pour confirmer le diagnostic, on fait une hydrosono qui montre donc le polype en intracavitaire ou alors on a recours à une hystéroscopie qui va confirmer le diagnostic. 1,6 à 6% des avortements spontanés sont associés à des polypes qui agissent par un effet mécanique. Ils agissent également en augmentant la sécrétion des aromatases, de marqueurs de l'inflammation et de la glycodéline, qui est une glycoprotéine qui affecte la prolifération, la différenciation et l'adhésion, donc, et la motilité cellulaire, et une diminution de l'expression des gènes OXA 10 et 11 qui interviennent dans la régulation de l'expression des récepteurs endométriaux. Donc, ça agit sur la réceptivité et sur la fenêtre implantatoire. Donc, les recommandations diagnostiques, c'est écho 2D pour le dépistage, et puis après, pour le diagnostic, c'est soit l'hystérosono ou alors l'hystéroscopie. Et aussi bien ici, l'échevée que la SRM estime que l'évidence est insuffisante pour recommander la polypectomie hystéroscopique en cas d'avortement spontané à répétition, d'autant que près de 27% des polypes disparaissent spontanément. Ça a été résultat d'une étude qui a été menée, une étude de surveillance sur toute une année de patientes qui étaient porteuses de polypes et qui ont disparu spontanément, donc au bout d'une année. Néanmoins, de courtes séries ont pu montrer de bons résultats en termes de fertilité et de résultats sur les avortements, donc sur les avortements spontanés à répétition. Quatrième cas, avant notre série questions-réponses. Donc, Madame A, 37 ans, troisième geste, nullipare, 3 fausses couches, mariée depuis 2 ans, un mariage non consanguin, consulte 4 mois après une fausse couche et elle rapporte une diminution du flux menstruel depuis l'aspiration. L'analyse anatomopathologique des 2 derniers produits de conception est sans anomalie, et puis l'échographie montre cet aspect-là. Voilà, donc on a une interruption de l'endomètre au plein milieu de la cavité. En fait, une hydrosono qui va montrer cet aspect-là, donc on voit bien qu'il y a effectivement, c'est des cinéchies, tout à fait. Et l'hystéroscopie vient confirmer le diagnostic de cinéchie. C'est une conséquence, c'est une cause. Alors, 1,3 à 9,6% des avortements spontanés à répétition sont associés à des cinéchies. Elles sont à l'origine d'un défaut de développement de l'endomètre pour supporter le développement photoplacentaire.
Donc, l'échographie n'a pas de place classiquement. Bon, là, c'était un coup de chance que d'avoir une image comme celle-là. Donc, le diagnostic se fait par hystéroscopie ambulatoire et accessoirement par hystérosono. Les recommandations thérapeutiques, aussi bien l'échelée que la SRM, estiment qu'il n'y a pas d'évidence suffisante pour le traitement des synéchies, notamment modérées, légères à modérées, dans le cadre des avortements spontanés à répétition. Le traitement des synéchies légères à modérées a un impact plus sur la fertilité donc que sur les avortements. Et il est à noter que la sévérité initiale de la synéchie est un élément capital au pronostic. Par contre, il y a des recommandations en termes de prévention des récidives des synéchies. Alors, les différentes techniques que l'on emploie tous, notamment les cycles artificiels, l'utilisation de pilules, le stérilet, la sonde de Foley ou les gels barrières, il n'y a pas de consensus quant à leur effet préventif. Par contre, la recommandation d'un second look hystéroscopique après une cure de synéchie 4 semaines après la cure de synéchie, c'est exactement la même approche que celle des cures de myome par voie hystéroscopique. C'est également une recommandation qui revient également aussi bien au sein de l'échelée que au sein de la SRM. Bien, donc on fait une petite pause pour répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup. Bon, je pense que on a avec tes cas cliniques là, on a fait le tour de tout ce qui est anatomique utérin. Oui. Je demanderai aux spectateurs et aux amis et aux collègues de poser leurs questions relatives à cette rubrique avant de passer aux autres rubriques. Donc, on attend vos questions pour tout ce qui est anatomique et utérin. Entre-temps, moi, j'en ai plein. Oui. Parce qu'il y a quand même des choses un peu qui nous interpellent quand même. À la fois des évidences qui paraissent pour ceux qui opèrent et qui sont remises en cause, comme par exemple faire la cure du cloison après 2 fausses couches, ça paraît évident pour nous. Alors oui. Que les sociétés qui sont bien sûr qui basent leurs recommandations sur l'evidence-based medicine, eh bien elles disent en pratique il n'y a pas assez de preuves pour le faire. Bon, et en même temps, on a aussi des causes où on n'est pas certain et on ne sait pas quoi faire. C'est là ma question. Par exemple, en ce qui concerne les fibromes, finalement. Quelle est la conduite à tenir pratique? Est-ce que, je ne parle pas des fibromes de type 0, mais des fibromes intramuraux, est-ce qu'il faut aller, par exemple, faire tout le bilan autre des fausses couches et si jamais c'est négatif, se tourner vers le fibrome intramural ou est-ce que, quelle est ton attitude en pratique? Je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. Donc, finalement, j'estime qu'il est beau, en cas de présence de fibromes intramuraux, faire le bilan complet, faire le tour complet de toute la situation, et puis après décider, quand on n'a rien du tout, d'aller les opérer, me paraît assez logique. En l'absence de recommandations en ce sens, ça me paraît l'attitude la plus raisonnable. Donc, en gros, pour les fibromes qui ont un impact sur la cavité, là, pratiquement, même si les sociétés ne sont pas toutes... unanime, mais là on va aller opérer, mais pour les fibromes qui sont plutôt intramuraux, là ça va être une indication un peu par défaut. Donc, si j'ai bien compris. À moins que la taille des myomes dépasse les 10 cm, à ce moment-là il y a une indication à aller les opérer. Si on n'en a que 2 et qu'ils font 3-4 cm quand on fait la sommation de leur diamètre et qu'on a qu'à peine 5 cm, a priori, là, il n'y a pas assez d'évidence. Mais quand la taille globale de tous les myomes dépasse les 10 cm, à ce moment-là, ça mérite une intervention. Mais je rejoins tout à fait. Oui. Ouais. On commence à avoir certaines questions donc, sur cette première rubrique. Oui. Pour les autres, pour les questions qui ne concernent pas l'anatomie, on va les aborder plus tard. Hein. Donc, Dr Fatrizio pose la question, cure de cloison utérine pré-fécondation in vitro. Je devine peut-être que le sens de la question, c'est une patiente qui n'a pas eu de fausse couche et chez qui on découvre une cloison avant une fécondation in vitro. Est-ce qu'il faut aller opérer ou non? J'ai fait une revue il y a quelque temps, j'ai regardé un tout petit peu, j'ai potassé un peu, et oui, effectivement, en cas de pré-FIV, il est recommandé d'aller les opérer. D'accord. Docteur Lamiemnif,
pose la colle, bien entendu, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, autant il y a des indications très claires, mais alors le bicorne, on est dépité parce qu'on n'a rien à offrir. Donc, elle pose la question, et le bicorne, point d'interrogation. Et le bicorne, on respecte. Non, non, bien sûr, on a rien à faire. Et puis, on sait que le taux de fausse couche, il est moindre quand même. Oui. Et alors, du coup, mais, donc, pour le bicorne, il y a toujours le message de dire, on a vu pas mal que tu avais beaucoup montré des échos 3D. Ce oui. Qu'on ne faisait pas il y a peut-être… Tout à fait, oui. Donc, je pense que l'écho 3D prend beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Hein. Oui, la classification de l'écheret est quasiment basée sur l'écho 3D. Hein. Sur l'échographie 3D. Tout à fait. Et qui se démocratise de plus en plus. De plus en plus. Et je vois de plus en plus de collègues qui sont équipés en écho 3D. Je pense il va falloir qu'on s'y mette. Voilà, une bonne collaboration entre nous. Tout à fait. Des choses. Oui. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Il y a des questions qui ne sont pas en rapport avec cette première rubrique qu'on va aborder plus tard, mais on a Dr Blam qui pose la question. Il y a des travaux actuels sur les fibromes de type 3 affleurant la cavité et les fausses couches à répétition. Je pense que ce n'est pas une question, je pense que c'est plutôt une remarque. Mm-hmm. On attend de voir les résultats. Je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, la masse fibromateuse peut être totale par rapport à l'ensemble de l'utérus sain, peut-être. Ça va nous apporter un élément de réponse. Mais depuis toujours, les fibromes ont posé problème, aussi bien en fertilité spontanée, en FIV, qu'en avortement spontané à répétition. On a quasiment jamais eu des réponses très, très claires et tranchantes en ce sens, hein, en matière de fibromes, et notamment pour les fibromes intramuraux qui ont toujours posé problème. Oui. Et je finirai peut-être par une question, c'est les synéchies, parce que les synéchies, pour nous, habituellement, c'est une cause d'infertilité, mais là, tu l'évoques comme étant une cause de fausse couche. Est-ce que tu confirmes bien ça, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Moi aussi, j'étais relativement étonné. Et puis, d'ailleurs, j'ai bien mis, est-ce que c'était une cause ou une conséquence ? Ça pourrait être une conséquence au départ, mais ça devient par la suite une cause d'avortement. Peut-être pas les synéchies qui sont complexes et qui obturent toute la cavité. À ce moment-là, c'est vrai que l'anidation devient quasiment impossible, mais des petites synéchies... Qui prennent un bord et qui respectent une partie de la cavité rejoignent un tout petit peu le même mode d'action que les cloisons, hein, en ce sens. Oui. Si tu permets, Mohamed, j'ai un élément de réponse concernant les myomes intramuraux et l'indication pour aller les opérer ou pas. Oui. On se tourne actuellement, tu l'as bien mentionné, vers la génétique. Et maintenant, on a démontré que quand le myome il est intramural, au fur et à mesure qu'il s'approche de la cavité utérine, il y a une diminution de l'expression du gène OXA 10 et une diminution de l'expression de l'ARN messager. Et à ce moment-là, s'il y a une diminution significative, il faut les opérer. Et donc, la génétique va permettre peut-être d'affiner les indications et de nous guider sur la conduite à tenir vis-à-vis de ces myomes intramuraux qui posent problème. Reste la démocratisation et la généralisation de ce type de l'OXA 10, oui. Absolument. Alors, on a une question de Dr Imen Ben Salah qui aussi soulève un point un peu controversé de ce que tu as présenté tout à l'heure. Mm-hmm. C'est quand tu dis que les polypes, il y a une étude qui dit qu'on peut les surveiller parce que ça disparaît dans 27% des cas. Et donc, elle pose la question, pour les polypes qu'on décide de garder, est-ce qu'il y a un rythme de surveillance de ces polypes ? Bon, sincèrement, je n'ai pas de réponse, mais sur cette étude, ils ont évalué au début et à la fin, et ils ont vu que sur la population de patients qu'ils avaient, il y avait 27% qui avaient spontanément disparu. C'est le même problème qui est posé également pour ce qui est des polypectomies pré-FIV, hein, donc se pose la question de l'intérêt d'aller les opérer et ça a toujours été soulevé également, ce problème a toujours été soulevé. Une question qui nous vient de Gerbe avec Dr Besrour qui vient de nous rejoindre et qui pourrait conclure un peu cette session. Il dit, en conclusion, faut-il opérer les cloisons, les myomes et les synéchies? Voilà. À défaut, oui.
À défaut d'une étiologie. À défaut d'autres étiologies, oui. Je dirais que les cloisons, c'est les cloisons. Je pense qu'il faut les opérer. Les myomes type 0, 1, 2, je pense aussi, hein, on finit tous par aller les opérer, même quand on a d'autres éléments d'étiologie, on finit par les opérer également. On reste après les polypes, ça dépend de leur taille, ça dépend de leur s'ils sont symptomatiques ou pas. Et au-delà de l'aspect avortement spontané ou fertilité, reste le souci de savoir est-ce qu'ils sont bénins ou pas bénins, est-ce qu'ils ne font pas le lit d'une pathologie tumorale, d'autant que ces derniers temps, on est en train de voir de plus en plus de patientes relativement jeunes porteuses d'adénocarcinome de l'endomètre que l'on a diagnostiqué comme ça sur des polypes ou sur des petites, sur des symptomatologies banales de petites métroangies chez des femmes relativement jeunes. Hein. Donc, au-delà de l'aspect avortement et fertilité, je pense que ça vaut le coup d'aller les opérer, ne serait-ce que pour être tranquille et faire son travail convenablement, au-delà de l'avortement, au-delà de l'intérêt vis-à-vis de l'avortement. Pour ce qui est des cinéchies, personnellement, j'étais relativement étonné qu'il n'y ait pas suffisamment d'évidence quant à l'intérêt d'aller les opérer. Peut-être que les études n'ont pas intéressé des cinéchies. Peut-être que c'était des cinéchies minimes. Hein. Après, ça reste l'étendue, l'impact de la cinéchie sur la cavité dépend également de celui qui a fait l'hystéroscopie, de celui qui a effectué et réalisé le diagnostic. Hein. Donc, il y a une part de variabilité interopérateur aussi. Une remarque avant de recéder la parole de Dr Ultunji Zaid. Je ne sais pas, il n'a pas mentionné son pays d'exercice, mais il dit que remarque, si nous considérons le seuil de 10 cm comme indication en Afrique subsaharienne, elle passera presque tout en laparotomie. Donc, je veux dire, ça, c'est important. Je pense que c'est une remarque très pertinente. Dans le sens tout à fait, oui. Il faut les adapter à chacun, à sa réalité, ça c'est clair. Mais moi, j'étais surpris de voir ce seuil-là de 10 cm, parce que classiquement, le seuil qu'on connaît, c'est 5-6 cm. Hein. Ah oui, effectivement, pour les myomes intramuraux, ils sont allés jusqu'à 10 cm. Moi aussi, c'était classiquement, on opérait à 5. Parce qu'à 10 cm, il va certainement toucher la cavité, la zone jonctionnelle, hein, s'il est intramural. Certainement, ils ont peut-être fixé la barre assez haut, hein, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le seuil, c'est plutôt 5-6 cm et non pas 10. Tout à fait. Bien, alors on aborde le cinquième cas. Une patiente de 36 ans, cinquième geste primipare, elle a fait deux fausses couches en 2015 et en 2016. Un bilan étiologique est négatif, avec un karyotype, bilan immunologique, bilan de thrombophilie, bilan thyroïdien et hormonal. Elle rapporte une dysménorrhée, on va la reporter à son gynéco, une dysménorrhée et une dyspareunie. Lui, il a réalisé une cœlioscopie devant des algies pelviennes, donc il découvre une endométriose stade 2. Il pose l'indication d'une série d'inséminations. Il en fait trois sans succès. Propose à sa patiente une fille, Vixi, en 2017. Transfert frais, pas de grossesse. Il réalise un TEC en 2018. La grossesse est menée à terme et elle donne un enfant qui a été accouché par césarienne. Il lui reste deux embryons, deux blastos. Et dans l'intervalle, elle a fait encore deux fausses couches en 2019 et en 2020. Et elle se plaint d'un inconfort pelvien, d'un saignement intermenstruel et parfois un saignement post-coïtal, tout en sachant que son examen gynécologique était strictement normal, que son col est sain, que son frottis, que son suivi gynécologique est convenable et que son frottis était normal. Donc, face à cette symptomatologie, vous pensez à l'adénomyose, une patiente qui a eu plusieurs fausses couches, qui a été révisée à plusieurs reprises. Vous pensez à l'adénomyose avec cette symptomatologie d'inconfort et de métroangie. Vous évoquez également l'ismocèle, qui est également à l'origine de cette même symptomatologie. Vous pensez également à l'endométrite. Donc, ça, c'est les trois pathologies qui cadrent. Oups. Cadrassé avec ce tableau. C'est allé dans tous les sens maintenant. Voilà. Donc, ça fait partie des nouveautés.
L'endométriose touche 40% des femmes infertiles et elle est à l'origine de sécrétions de facteurs toxiques pelviens qui sont à l'origine d'une altération de la qualité ovocytaire et de la qualité des spermatozoïdes, avec une altération de la qualité embryonnaire et une augmentation du risque d'aneuploïdie et donc une augmentation du risque d'avortement spontané à répétition. Ça, ça fait partie des nouveautés. Ceci étant, cette altération des gamètes est mise en doute dans le cadre de la FIV, d'autant que donc, les gamètes sont extraits, sont soustraits à ce milieu hostile pelvien et que tout se fait en in vitro. Alors, il y a également des altérations inflammatoires de l'endomètre eutopique, qui va être à l'origine d'une résistance à la progestérone, d'une surexpression des récepteurs à l'œstrogène en deuxième phase du cycle, avec une sécrétion de facteurs paracrines et autocrines, B3 intégrine, la BCL6 et les aromatases, l'aromatase P450, qui, eux, vont être à l'origine d'une perturbation de l'expression de plusieurs gènes durant la fenêtre implantatoire, qui va aboutir donc à un décalage de la fenêtre implantatoire, une perturbation de la transformation prédéciduale, et puis des troubles de la placentation précoce, et donc des avortements spontanés à répétition et des échecs d'implantation. L'adénomyose, qui a été pendant très longtemps négligée en faveur de l'endométriose, est à l'origine quand même d'une baisse du taux de grossesse de 28% et d'une augmentation du taux d'avortement de 32% environ sur une série de Verceline en 2014. Elle agirait par un mode inflammatoire, donc une inflammation au niveau de l'endomètre topique, des perturbations de la contractilité utérine et du péristaltisme endométrial, avec des troubles de l'implantation et des troubles de la placentation. Alors, ce qui est recommandé en termes thérapeutiques actuellement pour ce qui est de l'adénomyose, c'est un blocage ovarien prolongé par analogue de la GNRH. Et en ce qui concerne l'endométriose, c'est un peu le schéma qui a été abordé pour cette patiente, c'est-à-dire effectuer une FIV ICSI avec un frisol, bloquer la patiente pendant 6 semaines environ, et puis après effectuer un transfert d'embryon congelé en cycle artificiel, et ça améliore les résultats et taux de grossesse, et ça diminue les risques d'avortement spontané. Pour ce qui est de l'adénomyose avec des lésions donc, ponctuelles, il est proposé d'aller les détruire avec lance monopolaire éventuellement. Quand vous avez des cryptadénomyosiques, ben voilà, je vous mets une petite vidéo là où on montre comment on est en train de les réséquer jusqu'à avoir la totalité de la glande, si on veut. Donc là, l'opérateur est en train de voir jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Donc, vous voyez, ça continue à saigner, donc le canal glandulaire est encore présent, donc là il refait une autre recoupe pour aller réséquer la totalité donc, du tissu adénomyosique. Voilà, là on y voit, on ne voit plus de canal. Quand vous avez ce genre de lésion en termes d'adénomyose, bah, pareil, donc, quand c'est des lésions ponctuelles comme ça, une ou deux lésions, ça vaut le coup d'aller les opérer. Par contre, quand vous avez des lésions ou des cryptes adénomyosiques assez en nombre, assez important, il devient un tout petit peu plus quand même illusoire d'aller les coaguler toutes au risque de détruire de l'endomètre et d'être à l'origine de synéchies et de créer plus de problèmes que de solutions entre guillemets. Donc là, il va procéder à la même chose, donc il va couper cette glande. Un aspect que l'on ne voit pas souvent. On a l'impression que c'est des synéchies fibreuses, mais en fait, c'est des cryptadénomyosies qui sont extrêmement étendues. On a vu ça chez une patiente qui n'a jamais eu d'acte endo-utérin, et puis on a porté le diagnostic à tort de synéchie. En refaisant le contrôle, on se rend compte que c'était plutôt de l'adénomyose, et là, la bétoquille est d'un grand secours parce qu'elle permet de détruire, d'effondrer ces différentes cavités et de récupérer une cavité de taille relativement normale. Donc, autre pathologie, l'endométrite chronique. Donc, jusqu'à 27% des avortements spontanés et répétitions. C'est une entité qui est mal connue jusqu'à récemment, en fait, qui a été un tout petit peu délaissée. Moi, je me rappelle de Christine Bergeron qui nous disait en 2010 que finalement, les endométrites chroniques n'existaient que dans la tête des gynécos et qu'ils n'en ont jamais vu. En fait, non, elles existent bien. Donc, le diagnostic est bel et bien histologique avec la présence notamment d'un infiltrat plasmocytaire. Et le diagnostic de certitude est fait grâce à la biopsie avec une immunohistochimie des CD138, mais aussi en hystéroscopie. Donc, on n'avait pas tort. Pendant très longtemps, on avait crié à l'endométrite chronique et on nous a un tout petit peu dénigré, mais au final, on a eu raison. Donc, on a ces aspects-là, donc des aspects qui sont quasiment typiques. Donc, cette hyperémie
de l'endomètre, un aspect irrégulier avec des micropolypes comme ici au niveau de la cavité, encore là cet aspect d'hyperémie qui sont assez spécifiques de l'endométrite. Il y a également la mise en culture de tissu endométrial avec un profilage moléculaire par des analyses S16RNA spécifiques de différentes bactéries qui ont été tontées en 2018 et en 2008 déjà par des équipes italiennes et qui apportent également la certitude diagnostique. Là, c'est en rapport avec l'étiologie donc des endométrites, l'étiologie infectieuse des endométrites. Donc, physiopathologiquement, il y a des altérations cellulaires, des perturbations biochimiques, des altérations de la contractilité et puis des perturbations du péristaltisme qui provoquent un décalage de la fenêtre d'implantation et des perturbations de la placentation. Donc, il est recommandé de les traiter par antibiotiques parce qu'on avait constaté que les antibiotiques réduisaient donc l'infiltraplasmocytaire endométrial de 57% jusqu'à des fois 100% avec une amélioration du pronostic des grossesses ultérieures. Mais les questions auxquelles on n'a pas eu de réponse, c'est quels antibiotiques ou quels antibiotiques et pour quelle durée. Pirtea, sur le travail de 2021 qui a été publié dans Fertility and Sterility, recommande quand même une cure de pas moins de 14 jours d'antibiotiques. La plupart du temps, la plupart des auteurs proposent des tétracyclines, donc pour une durée de 14 à 21 jours. Voilà, donc ça c'est une sorte, je dirais, des nouveautés. On ne pensait pas à l'endométriose, on ne pensait pas forcément à l'adénomyose en termes de d'avortement spontané à répétition. Donc, je ne sais pas si. Merci Anis. Donc, on ouvre la discussion. Oui. Et permettez-moi de faire deux remarques. Oui. Je reviens un peu à ce fameux seuil de 10 cm où on a eu une précision de la part de notre ami Marouane Braham. Mm-hmm. Que les 10 cm correspondaient en fait à la somme. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas un fibrome. Non, ce n'est pas un fibrome, c'est la somme des différents fibromes. Donc, c'est une précision importante à faire pour qu'il n'y ait pas de fibromateuse. C'est la masse fibromateuse, tout à fait. C'est la masse fibromateuse, donc ça peut être un ou plusieurs. Tout à fait. C'est une précision importante à faire. La deuxième précision que je voudrais faire, c'est que nous mettons à la disposition des gynécologues la possibilité de faire la biopsie de l'endomètre pour le diagnostic de l'endométrite et de guider la thérapeutique, surtout nous avons un pack endomètre, nous offrons la possibilité de faire un pack endomètre où nous faisons l'étude de microbiote pour guider le traitement des endométrites. Et la discussion est ouverte. Est-ce que tu vois des questions, Mohamed, concernant ce dernier cas? Non, mais moi je dirais que, bien sûr, ce que tu dis, ce qui interpelle, c'est de retenir l'endométriose et l'adénomyose comme étant une cause de fausse couche, ce que nous avions plutôt l'habitude de considérer comme une cause d'infertilité. Tout à fait, oui. Mais je pense que ce n'est pas encore rentré dans les guidelines, mais c'est plus des données nouvelles. Que nous voyons et ce qui peut peut-être expliquer une amélioration des résultats, comme tu dis, en fait, quand on réalise un long blocage, ça c'est bien. Est-ce que l'ismocèle c'est une cause de fausse couche ou d'infertilité? Je dirais plutôt que c'est une cause d'infertilité, hein, beaucoup plus que de fausse couche. Hein. Ceci étant, ces derniers temps, on a de plus en plus de grossesses sur cicatrices, donc c'est quand même problématique. Hein. C'est peut-être pas des, mais au final, c'est peut-être pas des fausses couches, c'est peut-être pas des grossesses arrêtées, mais ça finit quand même par des grossesses que l'on finit par arrêter de façon iatrogène parce que leur évolutivité pose problème. Et ces derniers temps, rien que sur les derniers mois, sur les deux derniers mois, on en a eu trois de grossesses sur cicatrices. Donc c'est problématique. Et pour revenir à l'endométrite chronique, du coup, bon, pour le moment, ça a l'air d'être plus un diagnostic d'hystéroscopie, en tout cas pour le moment, qui devrait être confirmé ou pas par une biopsie.
Et donc, quelle est la recommandation pratique? Est-ce qu'il faut faire des hystéroscopies systématiques alors que l'échographie était normale quand le bilan est négatif? Ou placer le diagnostic de l'endométrie chronique quand y penser? Moi, je dirais que l'hystéroscopie doit faire partie du bilan, partie intégrante du bilan de fausses couches à répétition. Hein, donc, et ce que je peux dire, c'est que les études à propos des échecs d'implantation ont été un peu extrapolées et ça a permis d'élargir un peu le champ étiologique du bilan étiologique des avortements spontanés à répétition. Il est bon à savoir que près de 50% des avortements spontanés restent sans étiologie. Et là, ça a élargi un tout petit peu le champ. On ne pensait pas avant aux endométrites chroniques, on ne pensait pas à l'endométriose, à l'adénomiose. Pour nous, oui, bon voilà, j'ai l'impression que tu as là une adénomiose, ce n'est pas pour autant que c'est une raison. Mais là, on se rend compte que finalement, d'un point de vue génétique, encore une fois, cette surexpression des gènes OXA10 et 11 et autres sont quand même à l'origine d'un décalage des fenêtres d'implantation, d'une impossibilité de placentation convenable. On passe du chirurgical macroscopique que l'on a toujours connu vers des choses infiniment plus petites qui font que ça élargit un peu notre champ de vision et ça fait que oui, je pense que l'hystéroscopie devrait faire partie intégrante du bilan étiologique. Associé à une biopsie, à la pipelle éventuellement. Alors, parce qu'il y a une question, si tu permets, Anis, il y a une question de Zahra Saïdeni qui dit, s'il vous plaît, où on peut faire l'étude d'une biopsie de l'endomètre et dans quel laboratoire. Alors, je peux lui répondre que je confirme que le diagnostic de l'endométrite est fait sur l'hystéroscopie qui doit être systématique dans un bilan étiologique de fausses couches à répétition. Et c'est généralement lors de l'hystéroscopie qu'on découvre l'endométrite et les signes spécifiques de l'endométrite. Et à ce moment-là, au moment de l'hystéroscopie, on peut faire la biopsie à ce moment-là et on peut faire le comptage de l'anapate. Alors, il y a le diagnostic anatomopathologique par le comptage des plasmocytes. Et s'il y a plus que 5 plasmocytes par champ visuel au microscope, on a le diagnostic d'une endométrite chronique. Et ça, on le fait, nous, dans notre centre, de manière courante. Justement, j'enchaîne sur une question de Dr Hosseini qui dit « Qu'en est-il du microbiote endométrial en pratique ?» Donc, et puis tester fiabilité des coûts. Donc, je pense que tu as un peu répondu à la question. Donc, est-ce que c'est relié à l'endométrite chronique ou c'est deux choses différentes? C'est quoi? Qui a un élément de réponse? En fait, l'étude de microbiote nous permet de faire un traitement adapté de l'endométrite. Parce que le traitement de l'endométrite, avant, on donnait des antibiotiques à large spectre pour essayer. Quand on a un diagnostic anatomopathologique et un diagnostic hystéroscopique, le traitement antibiotique n'est pas bien codifié. Et donc, on a tendance à donner un traitement des antibiotiques à base à large spectre, une association d'antibiotiques. Mais là, quand on fait l'étude de microbiote, ça nous permet de connaître le microbe qui est responsable et d'adapter le traitement. C'est uniquement ça. Docteur Fazley, oui. Alors, encore une fois, parce que je vois que le sujet de l'endométrite et du microbiote intéresse, et je pense qu'à lui seul, il pourrait faire l'objet d'un... Absolument. D'un topo à lui seul. Parce que là, du coup, il y a encore des questions qui viennent de Casa sur la place des probiotiques, justement, pour traiter... Parce que là, l'antibiothérapie, c'est le traitement actuellement le plus courant, hein, je veux dire. Mais est-ce que les probiotiques... est-ce que tu as une idée? J'ai pas trouvé de référence vis-à-vis des probiotiques. Si, Mohamed, les probiotiques, parce que le microbe le plus fréquent qu'on trouve, d'après notre petite expérience sur le microbiote qu'on a maintenant dans le centre, la plupart des microbes qu'on trouve impliqués en concentration assez élevée, ce sont les lactobacilles. Et c'est pour cette raison-là que ce genre de traitement est bien indiqué, les probiotiques.
Maintenant, Absolument. je rejoins Dr Favley, oui, dans le sens où, sur le plan des publications, c'est surtout les antibiotiques actuellement qui ont été testés. Peut-être Oui. que les antibiotiques vont faire leur preuve. Moi, j'avais fait le topo il y a peut-être 3 mois, je pense, avec la STGO pour le microbiote. Il y avait des publications anecdotiques avec l'utilisation du yaourt, puis l'utilisation des probiotiques. C'est vrai que pour le vagin, ça marche bien, mais pour restaurer la flore endométriale, c'est moins évident. C'est moins évident parce que c'est récent et on n'a pas assez de recul, c'est pour ça. Et de toute façon, quand tu as un résultat avec une concentration élevée de lactobacilles à la biopsie, on est obligé de traiter avec les probiotiques. D'associer, du moins, d'associer, pas uniquement des probiotiques, d'associer avec les antibiotiques. Moi, je dirais qu'on va avoir de plus en plus de données puisqu'on a maintenant plus de moyens de diagnostic. Donc, on va pouvoir avoir. Docteur Mahmoud, il y a beaucoup de questions sur cette rubrique. Je pense qu'il faut qu'on donne quelques éléments de réponse. Docteur Toumi pointe l'association Isbacille et endométrite. Donc, cette niche de collecte de tout à fait, oui. Pourrait être le entretenir. Qu'est-ce que tu en penses, Docteur Fadley? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, J'avais mis exprès l'image de l'ismocèle. Elle est absolument pas dans les recommandations. On n'en parle quasiment pas. Ouais. Je l'avais mis exprès parce que c'est effectivement, elle fait le lit, elle prépare le terrain pour l'endométrite. Et on l'a souvent constaté que quand on a une ismocèle, il s'y associe souvent un aspect d'endométrite chronique. Donc cette collection de sang qui met du temps à s'évacuer. Qui peut donner quelquefois à tort des métrorragies post-coïtales, des douleurs pelviennes également et des dyspareunies, fait un terrain propice à la prolifération de l'endométrite chronique. Docteur Mahmoud, est-ce qu'on a d'autres questions? Juste Mohamed. Oui. Si tu permets. Alors, Anis, on parle de plus en plus de l'équilibre TH1-TH2 par rapport aux cytokines, aux molécules pro et anti-inflammatoires au niveau de l'endomètre et au cours de la fenêtre d'implantation. Est-ce que tu as trouvé donc des publications au sujet des fausses couches? Parce que on connaît l'apport de cette exploration pour les échecs répétés d'implantation et on propose l'immunomodulation quand il s'agit d'un déséquilibre inflammatoire. Est-ce que dans le cadre des fausses couches, c'est pareil ou pas? Non. Alors, sur les différents articles que j'ai vus et que m'avait envoyé Dr Mahmoud, j'ai regardé, on ne parle pas de ces éléments-là. Mais par contre, j'ai regardé un peu ailleurs et parmi les recommandations, on estime que l'immunomodulation n'a pas de place en termes d'avortement spontané à répétition. Donc, vous le verrez par la suite sur l'une des plaques de récapitulation. On estime que l'immunomodulation, de façon générale, n'est pas indiquée. C'est plutôt dans les échecs d'implantation et non pas dans les fausses couches. On a deux questions. Plutôt, oui. Sur si jamais aspect endométrite chronique et biopsie négative. Alors ça, c'est une. Bon, je reviendrai à ça dépend de qui a lu la lame de d'Anapat. Il faut comme je vous l'ai dit, on s'est fait rironner par quand même une sommité de la cytologie et de l'anapath, Christine Bergeron, qui nous disait oui, l'endométrite, c'est dans la tête des gynécos. Mais là, on se rend compte qu'elle avait tort et qu'il y a bel et bien, on ne parlait pas de cet aspect d'infiltrat inflammatoire, d'infiltrat plasmocytaire. On ne connaissait absolument pas ces aspects-là. Donc, si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas avisé, on peut facilement tomber à côté, on peut facilement passer à côté. Ceci étant, c'est vrai que quelquefois, on peut avoir un aspect d'adénomyose qui peut prêter à confusion, hein, une adénomyose un peu floride avec des cryptes qui sécrètent un tout petit peu. L'aspect peut quelquefois prêter à confusion.
Non, absolument, parce que d'ailleurs, les choses avancent dans ce sens-là et la NAPAT est difficile et surtout le comptage. Maintenant, on va vers le comptage de le nombre de plasmocytes par champ visuel. Et le dernier seuil, avant, on estimait que le seuil était à 3, 3 plasmocytes par seuil. Maintenant, on est passé à 5. Les choses ne sont pas aussi claires parce qu'on n'a pas assez de recul. Et je pense que quand on aura beaucoup plus de cas, on saura davantage sur ce sujet-là. Alors, il y a Marwan Braham. C'est sûr que c'est des voies d'avenir. Hein. Oui. Alors, Marwan a dit que qu'en cas de microbiote de lactobacille, il faut associer le flagyle. Oui, bien sûr, il faut associer le. Bon, il y a le traitement antibiotique plus les probiotiques. Et essentiellement, le flagyle fait partie du traitement. Vous parlez d'un déséquilibre au niveau endométrial, hein, parce que les lactobacilles au niveau du vagin, c'est la même chose. Non, non, on parle d'endomètre. Hein. Ok. Est-ce qu'on a alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu vois d'autres questions, Mohamed? Oui, je vois une remarque de Dr Zaid du Bénin, oui. Qui dit qu'il y a une étude à Lente qui a montré qu'après avoir fait des échographies de suivi d'hystéroscopie systématique sur une série de 400 femmes avec chèque d'implantation, l'hystéroscopie devait être quasi systématique. C'est ce que tu dis, Stéphane. Mais oui, je pense que nous sommes tous d'accord sur l'apport indéniable de l'hystéroscopie, surtout avec l'endométrite chronique qui n'est pas du tout diagnostiquée par l'écho. Par d'autres moyens. D'accord. Alors, il y a une question de quelqu'un d'anonyme. Quel est le bilan biologique en première intention en cas de fausse couche à répétition? Mais ça, en général, je suppose que tu vas pouvoir… Il va être déçu parce que je n'ai pas beaucoup abordé le bilan biologique. Hein. Absolument. On en parlera, j'en parlerai dans mes dernières plaques. À la fin. Oui. Donc, je pense qu'on peut passer. On passe, oui. On passe au dernier cas. OK. Allez, Anis, à toi. À tout de suite. Alors, c'est un cas que Dr Loum y connaît bien. C'est une patiente de 37 ans, une infertilité de 7 ans, une infertilité inexpliquée. Elle a eu total 7 FIV, donc avec 7 transferts frais et 4 TEC. 4 grossesses arrêtées, dont 3 révisées, mais je n'ai pas eu d'anapat. Le bilan morphologique, immunologique et de thrombophilie, ainsi que le bilan hormonal, sont tout à fait normaux. Le karyotype de madame est normal, 46XX, mais par contre, celui de monsieur révèle un 46XY+, un marqueur du chromosome 15. Elle a été vue par nos collègues généticiens et puis ils ont effectivement posé l'indication d'une ICSI avec un diagnostic préimplantatoire. Donc, chose qui a été faite. Donc, la patiente a eu sa FIV en mars 2021 et puis j'attends encore avec Dr Loumi les résultats de son DPI. Donc, on n'a pas encore abouti à un résultat chez cette patiente, mais ça nous ouvre un tout petit peu la porte à une discussion concernant donc tout ce qui est cytogénétique et l'implication notamment du sperme qui souvent était passé sous silence ces dernières années, mais on s'y intéresse de plus en plus. Il faut savoir que 12% des couples investigués présentent des réarrangements structurels d'un ou de plusieurs chromosomes, ceci même en cas de naissance d'enfants normaux, et que seulement 40% de ces réarrangements sont identifiables sur un karyotype sanguin normal. Donc dans ces cas-là, quand il y a indication et quand il y a possibilité, on leur propose un diagnostic préimplantatoire. Donc une FIV avec un diagnostic préimplantatoire. On propose de plus en plus actuellement une exploration et un séquençage du génome parental des spermatozoïdes et des ovocytes. Et il est à remarquer que même en cas de présence d'autres facteurs donc étiologiques corrélés aux avortements spontanés, on se doit quand même de ne pas négliger la piste de la cytogénétique et des anomalies gamétiques ou alors embryonnaires. Donc, c'est une façon de nous dire, faites des karyotypes aux parents à chaque fois que vous avez des fausses couches à répétition. Alors, en ce qui concerne le spermatozoïde, la question étant de choisir le bon spermatozoïde avec un bon potentiel fécondant et une bonne fonctionnalité. Alors, ça, c'est des voies de recherche
Il y a plusieurs tests qui sont proposés pour évaluer globalement le sperme. Donc, il faut vérifier l'intégrité de l'ADN spermatique, la fragmentation de l'ADN, l'évaluation du stress oxydatif au niveau du sperme. Ça, c'est de façon globale. Rechercher des aneuploïdies par le FISH. Il y a plusieurs techniques actuellement de tri des spermatozoïdes. C'est une grande voie de recherche, les microfluides, les MAX, les Magnetic Activated Cell Storing, ou alors les FACS, Fluorescence Activated Cell Storing. Les microfluides sont a priori, semble-t-ils, très, très prometteurs en matière de sélection et de tri des spermatozoïdes de bonne qualité. En ICSI, on peut proposer l'IMSI. On peut proposer également une nouvelle technique, ce qui est l'ICSI-HA, donc une association de Hyaluronic Acid Binding Assay avec l'ICSI. Et l'acide hyaluronique va se fixer sur les spermatozoïdes qui sont de bonne qualité. Ça a montré sur de courtes séries une réduction du taux d'avortement. En termes de voie d'avenir et réellement voie d'avenir, c'est tout ce qui est exploration de l'épigénétique par analyse de la composition des protéines nucléaires au niveau du spermatozoïde, par la méthylation de l'ADN et l'étude de l'ARN des spermatozoïdes qui habituellement est relativement muet, mais ça permet donc de sélectionner des spermatozoïdes de bonne qualité pour l'ICSI sans les endommager. C'était tout le dilemme et tout le défi de l'exploration au niveau des spermatozoïdes. Les ovocytes également, donc la majorité des anomalies ovocytaires sont d'ordre génomique. Il s'agit de mutations monogéniques, d'insertions ou de délétions, notamment les microdélétions du chromosome X, 6% des femmes avec des avortements spontanés. Il y a des réarrangements structurels, des mosaïcismes gonadiques et une entité qui est en train de voir un tout petit peu le jour et que l'on explore de plus en plus, c'est l'inactivation asymétrique du chromosome X. Qui peut donner également des avortements spontanés à répétition. Donc, je vous laisse donc, on fait une pause pour les questions et puis après, je vais récapituler toutes ces données. Merci Anis pour ce dernier cas clinique qui me paraît assez compliqué peut-être pour certains. Alors, concernant cette question, le variant physiologique ou ce marqueur physiologique qui se trouve au niveau du caryotype du mari pourrait être la cause des avortements ou des fausses couches à répétition, sauf que ce marqueur physiologique est aussi fréquent au niveau de la population. Donc, vu le contexte de fausses couches, on va vers le DPI. Mais on peut avoir des grossesses menées à terme et des naissances vivantes avec de tels marqueurs chez les parents. D'accord ? D'accord. Pour la génétique, aucune technique ne permettra de mettre en évidence ce marqueur physiologique chez l'embryon. Donc, il peut être transmis à l'embryon. L'idée, c'est de rechercher les aneuploïdies causées par ce marqueur et ne pas identifier ce marqueur chez l'embryon. Ok ? Donc, je pense que c'est clair. Sinon, s'il y a des questions sur le caryotype de ce couple. Alors, question-réponse. Moi, j'ai des questions. J'ai une question. Oui, vas-y. Je peux ? Oui. Alors, c'est à Dr Fadley ou à toi, celui qui se sent le plus à l'aise pour y répondre. C'est vrai que… j'ai des remarques et des questions. D'abord, dommage qu'on n'ait pas nos amis anatomopathologistes, parce qu'on voit trop souvent sur des comptes rendus aspect en faveur d'une… En faveur d'une aberration. Une aberration chromosomique, ce qui perturbe fortement les parents. Et je pense qu'il est utile de dire que ce n'est pas du tout spécifique et que seule une analyse génétique sur le produit de conception pourrait conclure à tout à fait. Deuxième, ma question, c'est quels sont les tests diagnostiques recommandés dans ce genre de cas et quelle est l'attitude thérapeutique claire? Par exemple, est-ce qu'un karyotype chez les parents suffit ou est-ce qu'il faut faire une analyse de tout le génome pour éliminer une cause génétique? Vas-y, Hanan. En fait, sur les recommandations, aussi bien de l'échecré que de l'ASRM, il ne semble pas être recommandé en dehors de l'étude du karyotype parental.
Les autres tests ne sont absolument pas recommandés. Et c'est en présence d'une anomalie ou d'un réarrangement ou d'une translocation équilibrée chez l'un des partenaires que l'on peut proposer le DPI. Donc, en ce moment, je pense qu'en matière, en termes de recours thérapeutique, Hanen me corrigera si je dis des bêtises, mais je pense en termes de recours thérapeutique, on n'a que le DPI à offrir à ces couples-là. Exactement, exactement. D'accord. Et c'est les recommandations d'ailleurs. Hein. Et dans ces cas où tout le bilan, nous n'avons pas encore évoqué le bilan auto-humain ni le bilan de thrombophilie qui est d'habitude la chose la plus évoquée dans ce genre de webinaire, mais je pense que l'originalité de ce webinaire justement c'est d'abord… C'est que je n'en ai pas parlé. Ce qui n'est pas ce dont on n'a pas l'habitude de parler, mais si jamais tout le bilan est négatif et on voit ces patientes qui ont 5, 6, 7, 8, moi j'ai une patiente qui a 20 fausses couches, plus que 20 fausses couches, tout ce bilan, tout ça est négatif. Est-ce qu'il faut faire l'analyse de tout le génome ou est-ce qu'il est licite ou intelligent d'aller vers le DPI alors que les karyotypes sont normaux? Alors Mohamed, ce qu'il faut savoir, que le karyotype a ses limites, hein. Donc, oui. Il a un pouvoir de résolution des remaniements chromosomiques qui est assez limité. Donc, il y a après le CGHRD qui peut nous identifier les remaniements fins au niveau du karyotype, donc, dont on ne dispose pas en Tunisie. Je pense qu'il y a une seule plateforme qui n'est pas fonctionnelle pour l'instant. Sinon, pour chaque analyse génétique ou cytogénétique, chaque analyse a ses limites. Donc, on ne peut pas dire un karyotype normal, ça veut dire que tout le génome est normal ou tout, ou l'ensemble des chromosomes sont normaux. OK? Voilà, donc sinon, au niveau de l'embryon, et si on va chercher le karyotype de l'embryon, on va faire du NGS qui va nous montrer les remaniements fins, par contre. Donc, c'est une lecture exhaustive de l'ensemble du génome de l'embryon. Oui, mais est-ce qu'un DPI, en l'absence de toute cause comme ça, est-ce que c'est une solution finale, finalement, pour aller chercher, pour au moins être sûr que nous avons un embryon EPI? Un embryon de qualité, voilà. Oui. 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 Ouais. D'ailleurs, le cas de… À ta patiente qui a les 12 fausses couches, finalement, c'était, on lui a fait le diagnostic préimplantatoire, le PGS, et elle a un embryon sain. Donc, après 12 fausses couches, finalement, on a trouvé sur deux un blasto qui est normal. Donc, peut-être que c'était pas la cause de ces 12 fausses couches. Ouais. Ce qui ressort dans toutes les études, que près de 50% quand même des avortements spontanés à répétition restent sans explication. Et que finalement, on est vraiment loin du compte et loin de tout savoir. Hein. On a beau s'acharner, mais bon, voilà, c'est les limites de nos connaissances en ce moment. Et je pense qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des choses que l'on ne connaît pas encore. Hanen, tu as des questions de l'assistance? Oui. Il y a Nozha Chakroun qui demande quelle conduite à tenir en cas de taux de fragmentation élevé en rapport avec, bien sûr, ce tableau de fausses couches. Quelle conduite à tenir, mener, en cas de taux de fragmentation élevé? Je pense qu'on parle du sperme, de la spermatique. Hein. Oui, oui, bien sûr. Oui. Je pense qu'il faut faire le seul truc à… répondre, Hanana, tu fais le stress oxydatif, Alors, en cas de taux de fragmentation élevé, sincèrement, quand on fait le pack spermiologique, on essaie de coupler ce paramètre avec la qualité de la chromatine, la compaction, et puis le stress oxydatif. Si on a un niveau de stress oxydatif qui est élevé et qui peut être à l'origine de cette fragmentation excessive de l'ADN spermatique, on essaie de donner les traitements antioxydants. Par moment, ce stress ou l'équilibre oxydo-réductif n'est pas significatif avec un taux élevé. Et là, on recommande d'aller vers l'IMSI.
afin de détecter donc des signes indirects de cette fragmentation de l'ADN pour aller choisir les meilleurs spermatozoïdes pour la fécondation. Et voilà. La biopsie testiculaire. Oui, la biopsie testiculaire, oui. Ne disparaît pas. Si le stress ne disparaît pas après plusieurs mois de traitement, on peut recourir à la biopsie testiculaire, parce que ce qui se passe, parce que le stress oxydatif agit au niveau de l'épididyme et non pas au niveau des testicules. Il y a Dr Toumi qui demande, qu'en est-il de l'étude génétique sur le produit de fausse couche? Elle n'est pas recommandée. Donc, ce n'est pas recommandé. Contre tout bon sens, elle n'est pas recommandée. Parce que quand on a des anomalies chromosomiques sur le produit d'avortement ou le produit de conception que l'on récupère, ça ne veut pas dire forcément que c'est un truc qui va orienter vers les parents. Ça peut être des mutations ou des perturbations chromosomiques de nouveau qui ont eu lieu au moment des différentes divisions cellulaires au niveau embryonnaire. Et donc, c'est pas toujours... C'est vrai que ça nous oriente. Donc, quand on a des anomalies chromosomiques, et je reviens à ce que disait Mohamed tout à l'heure, concernant, oui, il y a des signes en faveur, il y a des signes en faveur d'aberrations chromosomiques. Tant qu'on n'est pas sur un truc bien précis, sur une analyse fine et précise du produit de conception, on reste dans le flou et ça n'oriente pas forcément vers une pathologie bien précise. Mais bon, de toutes les manières, pour le moment, ce n'est pas particulièrement recommandé. Bon, ça c'est... C'est la plaque de 2012, donc concernant le syndrome des anticorps antiphospholipides. Alors, les trois marqueurs qui sont recommandés, c'est les anticoagulants lipiques, les anticorps anticardiolipines de type IgG et IgM, et l'anti-bêta-2-glycoprotéine A de type IgG et IgM. C'est les trois seuls marqueurs qui sont recommandés par aussi bien la SRM que l'ECHRE. L'ECHRE dans sa mise à jour de 2017 et l'ASRM sur les recommandations de 2012 qui ont été réitérées sur les recommandations de 2020 et de 2020-21 également. Donc, en ce qui concerne le bilan biologique en termes de syndrome des anticorps antiphospholipides, c'est les trois bilans, c'est les trois marqueurs à récupérer. Alors, ça, c'est un peu le bilan global. Vous avez sur cette colonne les recommandations de l'ASRM et sur celle-là, les recommandations de l'ECHRE. Donc, en termes de facteurs génétiques, il n'est pas recommandé, et c'est noté ici, il n'est pas recommandé d'effectuer une analyse du produit de conception. Par contre, il est recommandé d'effectuer un karyotype parental. Vous voyez que l'ECHRE ne recommande ni l'un ni l'autre. Donc, on reste sur karyotype parental, périphérique parental. Pour les pathologies auto-immunes, eux, ils ne retiennent que le syndrome des antiphospholipides. Et on revient sur les trois marqueurs que je vous ai cités juste à l'instant. Pour tout ce qui est anatomique, c'est l'hystérographie et l'hystérosonographie. L'ECHRE rajoute l'écho 3D également. Alors, en termes de thrombophilie congénitale, le bilan n'est pas recommandé, sauf si la patiente a des antécédents de thrombose personnelle ou des antécédents familiaux assez importants, assez lourds. Et c'est à ce moment-là que l'on fait les différents marqueurs de la thrombophilie, à savoir le facteur 5 de l'Eden, la protéine C, la protéine S et l'antithrombine. Donc, c'est seulement dans ces situations-là, dans des situations à fort risque, qu'il est recommandé de les doser. Et l'implication de la thrombophilie donc congénitale dans la genèse des avortements spontanés à répétition est mise en doute dans cette revue. On estime qu'en termes de thrombophilie, c'est plutôt les thrombophilies acquises, notamment donc le syndrome des anticorps antiphospholipides, qui est plus à l'origine d'avortements spontanés à répétition. En termes de pathologie hormonale, donc la thyroïde, le diabète et l'hyperprolactinémie, donc équilibrer un diabète est indispensable. Donc faire une hémoglobine cliquée, faire un dosage de la prolactine et un dosage de la TSH. Les anticorps anti-thyroïdiens ne sont pas recommandés,
de première intention, sauf s'il y a une perturbation de la TSH. Et actuellement, le seuil de la TSH devrait être donc inférieur à 2,5, c'est ce qui est recommandé. La vitamine D, elle n'a même pas été étudiée par les Américains, elle n'est pas recommandée par les Chrétiens. La réserve ovarienne, donc la FSH, AJ3 et l'AMH ne sont recommandées ni par l'une ni par l'autre des deux sociétés. J'avais posé il y a quelques temps, j'avais posé la question à Dr Khrouf concernant les ovaires micropolykystiques et leur implication en termes d'avortement spontané, et puis il m'avait dit que ça ne ressortait pas clairement. Ceci étant, on est en train de les évoquer de plus en plus. On les cherche et les Chrétiens recommandent d'aller regarder parce qu'ils estiment que ça constitue un facteur de risque d'avortement spontané à répétition. L'insuffisance lutéale, il n'est pas recommandé d'aller faire des dosages de la progestérone. En ce qui concerne donc les pathologies infectieuses, il n'est pas recommandé d'aller les chercher. Alors, les facteurs donc masculins, on parle de fragmentation de l'ADN et ni l'une ni l'autre des deux grandes sociétés, donc ASRM et Eschré, ne recommandent la réalisation systématique de fragmentation donc de l'ADN. Et bien sûr, en termes de, donc en termes de comportement, de mode de vie et d'hygiène de vie, évidemment, il est recommandé de réduire la consommation de tabac, d'alcool et de lutter contre l'obésité. Ça, c'est en ce qui concerne donc le bilan étiologique à effectuer selon les recommandations des deux sociétés, l'Eschré et la SRM. Ok. Et tout d'un coup, ça ne peut plus partir. Voilà. Là, c'est la prise en charge. Donc, en ce qui concerne les facteurs génétiques, donc, il est conseillé, la SRM conseille un conseil génétique et il faut prendre en considération donc, la réalisation du DPI, du PGT. L'amniosynthèse et la choriosynthèse également sont recommandées en cas d'anomalie chromosomique parentale. Pour le syndrome des anticorps antiphospholipides, de faible dose d'aspirine, donc l'aspirine à 100 mg et soit de l'héparine fractionnée ou alors de l'HPPM. L'hystéroscopie pour la résection des cloisons, elle est recommandée. Pour ce qui est des synéchies, des fibromes et des polypes, les études ne sont pas concluantes en ce moment. En termes de thrombophilie et congénitale, il n'est pas recommandé de recourir à des traitements anticoagulants. Il faut équilibrer donc tout ce qui est diabète, tout ce qui est dysthyroïdie et tout ce qui est hyperprolactinémie. Pour ce qui est des facteurs masculins, les antioxydants ne sont pas recommandés, mine de rien, contrairement à ce que l'on disait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de recommandation forte et d'évidence suffisante pour... Et pour ce qui est des infertilités inexpliquées, à un moment, on avait parlé d'immunomodulation et d'immunoglobuline en IV. Elles ne sont ni l'une ni l'autre recommandées par ni l'une ni l'autre des deux sociétés. Alors, en termes d'endométriose, je vous avais proposé ce schéma de FIV avec Freeze-All, blocage ovarien et puis après TEC. L'adénomyose, c'est un blocage ovarien prolongé par un analogue de la GNRH et en cas de PMA, le même protocole que celui de l'endométriose. Et puis, pour ce qui est de l'endométrite chronique, c'est antibiotique. Et puis après, on avait lancé le débat concernant les probiotiques. Donc, voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci, Yanis, pour tous les efforts que tu as faits. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc, juste une remarque ou une question. Si le bilan antiphospholipide est normal, est-ce qu'il faut le répéter après 12 semaines? C'est ce qui est recommandé, oui. C'est ce qui est recommandé. Je n'en ai pas parlé ici, mais il est recommandé de le contrôler déjà, même quand il est positif. Il est recommandé d'aller le contrôler. Et quand est-ce qu'il faut le faire après la fausse couche? En général, il est recommandé d'aller réaliser au minimum 3 mois à distance de la fausse couche, en dehors d'une prise de pilule, en dehors d'une prise d'oestrogène de façon générale, pour éviter qu'il y ait des interférences. Je n'ai pas vu l'anticorps antinucléaire figurer sur la... Effectivement, il n'est pas recommandé, Mohamed.
Oui, ben c'est drôle avec toutes les publications qui commencent à apparaître sur l'hydroxychloroquine, le plaquénil. J'allais t'en parler. Ouais. Mais Mohamed, c'est parce qu'il n'y a pas assez de, y a pas assez de preuves. Donc, c'est des choses qui sont à étudier encore. D'accord. Il y a beaucoup de pistes à étudier. Donc, tant qu'il n'y a pas assez d'études randomisées, etc., donc il n'y a pas assez de preuves. Et quand il n'y a pas assez de preuves, il n'est pas les sociétés savantes ne le recommandent pas. Mais on a vu également qu'ils ont énormément réduit la liste des marqueurs, de ne serait-ce que vis-à-vis du syndrome des anticorps antiphospholipides. Nous, on faisait une liste d'analyses lent comme le bras, et là, ils ont réduit à 3 marqueurs seulement. Hein. Bon, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie tous les participants, je remercie Anis pour tes efforts, je remercie les modérateurs et à la prochaine. À la prochaine.